faut qu'elles fassent deux sauts de familles différentes et que c'est la moyenne des deux sauts qui leur permet d'être classées. L'ovation que vous venez d'entendre, de percevoir, le public italien, le public romain plutôt, qui est très présent dans ce palais des sports, salue l'entrée du héros de la gymnastique transalpine depuis 4 ans, le champion du monde aux anneaux, Youri Keki, qui va s'élancer pour sa première diagonale au sol. Très acrobatique, Keki. Série en avant, 3 saltos avant tendus enchaînés. Ouais, il préfère travailler dans ce sens car il a été opéré du tendon d'Achille en 92. Et il n'est plus. Voilà, ici, salto arrière quand tendu avec demi-tour enroulé. Et 9,850 pour Svetlana Korkina, je vous le dis, parce que nous savons que vous êtes tous fervents de gymnastique, mais aussi fervents de notes proches de la perfection. Planche tendue de Youri Keki, montée en équilibre, impeccable. C'est l'homme fort de la gym italienne. Il est meilleur aux anneaux quand il est dans l'espace, mais au sol, en finale de la Coupe d'Europe, il veut honorer sa notoriété. Dernière acrobatie, ronda de slip et double arrière groupé. Ah oui. Il y a les tifosi. Oh, on en a eu à Bercy pour Poujade. Il n'y a pas de raison qu'en Italie, il n'y en ait pas pour ce bon Youri Keki.